y a des gens qui me reconnaissent dans la rue, out of nowhere, tu sais, de dos, de face, whatever. Je pense que c'est les cheveux, ça doit être ça. Tu sais. Dernièrement, il y a un agent qui vient voir et dit, Renzel, oh Renzel, moi je vois ce que tu fais sur Internet, c'est bien. Oh, Black Lives Matter. Belle gueule. Ah ouais, belle gueule. Ça t'intéresserait-tu de faire la TV? Je dis, pour faire Fugueuse 3. Bon, là, normalement, il y a beaucoup plus de rire là-dedans. Je vais prendre pour acquis, peut-être que tout le monde n'a pas vu Fugueuse. Okay. Je vais expliquer ce que c'est Fugueuse, c'est une série télé québécoise, fiction, OK? Grand art, OK? C'est l'histoire d'une jeune fille, OK? Fanny, 16 ans, blanche, de banlieue, Saint-Hubert, OK? Elle dit à ses parents, maman, papa, j'aimerais aller à New York avec mes amis. Ils disent non. 3 épisodes plus tard, elle a fugué. C'est tout. Si ça t'intéresse, épisode 8, est-ce juste des p***s? Ça t'intéresse. Pour ceux qui ont... Il y a des gens qui ont vu Fugueuse, clairement. Tout est une question de perception, tu comprends? Moi, quand je parle de Fugueuse, c'est comme ça que je raconte Fugueuse, mais ma tante Paulette, là, normalement, je l'entendais parler à une amie, à elle, au téléphone, de ce que c'est Fugueuse, tu comprends? Et puis elle dit, ah, Fugueuse, tu n'as pas vu Fugueuse? Fugueuse, là, c'est l'histoire d'un jeune homme, là, Fred, OK? Jeune haïtien, là, il a rencontré une Québécoise, ça s'est pas bien passé.